Vienna. It is complete independence that we want. I have a dream. L'écrivain indien Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature en 1913, lui donnera un surnom qui deviendra mondialement célèbre, le Mahatma. Alors Mahatma, c'est la grande âme, c'est un signe de respect, si vous voulez, par rapport à Gandhi. Sa doctrine, forgée dès ses premières expériences en tant que jeune avocat, est fondée sur la désobéissance civile à toutes les oppressions, alliée à une non-violence absolue. Ses échanges de correspondance avec Léon Tolstoï le conforteront dans cette direction. Le combat qu'il mène de 1893 à 1915 pour les droits et la reconnaissance de la communauté indienne en Afrique du Sud, colonie anglaise elle aussi à l'époque, lui permet d'affiner sa méthode. Premier déboire, premier séjour en prison et premier succès convaincront Gandhi de la pertinence de la solution non violente. À son retour en Inde en 1915, Gandhi voyage dans son pays natal et se rend compte de l'ampleur de la tâche à accomplir, non seulement pour mener son pays vers l'indépendance, mais aussi pour résoudre les problèmes sociaux et religieux. Gandhi a mené deux actions. D'une part, il a voulu boycotter le tissu britannique et en même temps, il a par rapport à ce programme de non-coopération, il a voulu organiser ce qu'il appelait un programme constructif. Finalement, un mouvement de désobéissance civile se mit en place. Le peuple désobéissait à la loi. On brûlait des biens venant de l'étranger. Tout était brûlé. Les vêtements étaient déchirés et brûlés dans la rue. Les gens n'obéissaient plus à la police, à la loi, n'obéissaient plus du tout. Le rouet se trouve, même s'il a une signification plus ancienne, sur le drapeau indien. Ce n'est pas le refus de la technique, c'est au contraire la volonté d'une véritable autonomie, à la fois économique et politique, pour les Indiens. Cet impôt que l'ensemble des Indiens devaient payer à l'Angleterre pour saler leur repas était le symbole même de l'injustice. Le 21 mai 1930, 2500 volontaires prennent pacifiquement d'assaut les dépôts de sel de Dharasana, dans une parfaite démonstration de non-violence. Pendant plusieurs jours, ils avancent en rang successif, au pas, et se font bastonner par les gardes du dépôt sans même lever un bras pour se défendre. Quand il n'y a plus d'hommes, les femmes prennent le relais. Son adversaire, la couronne britannique, tentera pendant plus de 30 ans de s'opposer à la marche inéluctable de l'Inde vers la liberté. Gandhi verra son combat pour l'indépendance de l'Inde enfin couronné de succès en 1947, quelques mois avant son assassinat. Le 30 janvier 1948, l'Indien Mohandas Karamchand Gandhi, surnommé le Mahatma, la Grande Âme, tombe sous les balles d'un extrémiste hindou. Le monde entier est en deuil. Avec lui s'achève une grande période de l'histoire de l'Inde. L'apôtre de la non-violence n'est plus.